Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment intervertir votre moulinet, le passer de droitier à gaucher. Étant gaucher moi-même, j'ai souvent eu ce petit souci, en tout cas au début, pour passer les moulinets de droitier à gaucher. Bon, en principe, quand un client achète sur le site un moulinet, je lui pose toujours la question, et si je peux faire la manip moi, c'est toujours mieux pour lui. Donc, si jamais rien de bien compliqué, là on va prendre c'est un moulinet de la marque Vision, le modèle Hero. C'est assez similaire sur beaucoup de moulinets. Donc là, comme on voit, il est en droitier, donc le frein s'exerce comme ceci, et nous on va vouloir le passer dans ce sens-là. Donc on va d'abord enlever la bobine. Alors, il peut y avoir certains modèles où la bague qui fait le sens de rotation pour le frein se trouve dans la bobine, mais majoritairement c'est dans le bâti, dans cette partie-là. Donc jamais essayer de dévisser ce côté-là, on fait toujours depuis l'intérieur du bâti. Donc à l'aide d'un tournevis, on va retirer le capot. Voilà, faire toujours ça sur un endroit propre et voilà, et stable, éviter de perdre des pièces. On va devoir inverser cette bague que vous avez ici. Donc, on va se munir d'une aiguille. Voilà, on la retire. Il suffit juste de l'inverser. Voilà, la repositionner comme ceci sur le moyeu. Voilà, on la place bien au fond. On replace notre capot et notre vis. Voilà. On repositionne notre bobine. Et donc là, vous avez le système de frein qui est pour un gaucher. Donc voilà, c'est très simple, mais c'est toujours bon à connaître la façon de le faire. Ou même si en tant que gaucher, vous voulez ensuite redonner votre moulinet à un droitier, vous pouvez faire la manipulation vous-même. Voilà, bonne journée!